Salut à tous, c'est Inray. Salut à tous, c'est Gilcube. Qui s'est suicidé. Oui. Maintenant, il est blasé. Mais c'est pas grave, moi j'ai rattrapé le coup. J'ai tout ce qu'il faut. Ah ouais, vas-y, fais ça. Fais de l'élevage. J'ai deux... Mais vous inquiétez pas, ouais. Abonnés, là. Je vais rattraper le coup, je vais retrouver la sortie du Nether. Je sais plus d'où on vient. Tu veux que je sorte? Que j'aille dans le Nether. Ben, tu as le droit, ouais, mais enfin, je vais finir par retrouver. Là, j'ai retrouvé l'escalier que t'avais fait. Vois mon pseudo. Non, c'est bon, j'ai retrouvé ton escalier. J'ai retrouvé ton escalier, j'arrive. Donc si t'arrives, viens, on dort direct, comme ça, c'est fait. Ouais, mais je pense qu'il fera jour d'ici mon arrivée, tu vois. Mais non. Ok, ça le... Ça vient de nous tomber, regarde. 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 Ouais, ça vient juste de tomber. Enfin bon, il y avait un pigmen en or enchanté, tu vois, genre... Pimp. Pimp, pigmen. C'est chaud quoi. Il y a un océan de lave juste en dessous. J'espère juste que je vais pas croiser un Igas dans ma descente. Hein. Parce que là... Oh putain, ce serait la rage, on aurait perdu tout notre stuff. Ça se peut de faire passer un objet à travers le Nether? Ouais. On peut même tirer des flèches à travers le portail. Ah parce qu'en fait... Attends, j'y vais. Qu'est-ce que tu fais? Lol. J'ai allumé mes diamants dans le... portail. Et donc tu les as retrouvés de l'autre côté. Ouais. Mais tu sais, j'ai déjà vu. Regarde. Ah. T'as crash, je crois. Non gars, je vais me déplacer, tranquille. Ah d'accord, c'était un petit lag. Moi j'ai déjà vu dans un tout vieux FK de la, sur la chaîne de Steve, tu vois. Ils étaient devant le portail et puis là il y a une flèche qui apparaît d'un coup et qui se plante dans le cul de Xef. Tu vois. En fait c'était un mec qui avait tiré depuis. Mais depuis le Nether. Un mec qui était dans le Nether, il a tiré et puis il y avait Xef devant le portail. Comment il a fait? Bah le mec il avait un arc et puis il a tiré à travers le Nether. Mais comment il a su qu'il était là? Mais en fait il... Je pense que c'était juste le hasard en fait. Enfin j'en sais rien en fait. Bah putain. Heureux hasard. Ouais. Enfin pour celui qui l'a tué. Enfin bon, je crois qu'il y avait eu du fight il me semble, peut-être. Et en fait, Xef, je crois qu'il voulait venir, ou je sais plus ce qui s'était passé. Mais en tout cas, il y avait eu un fight, Sif qui était en train de se battre. Et voilà, il y a une flèche qui a traversé le portail, en tout cas. Et qui s'est plantée dans le cul de quelqu'un. Enfin bon, là, il y a Idrey victorieux qui sort du Nether. Tu sais où j'aimerais aller? Où? À Iceland. Tu voudrais aller à Iceland? Oui, au milieu où il y a de la bouffe. Bon, on l'a déjà fait l'île de la bouffe, non? Ben c'était l'île champignon, ouais. Bah ben, tu veux qu'on aille à tu veux qu'on aille à Iceland? Ben on y va alors, pas aucun problème. Moi ça pose aucun problème, je reviens du Nether et puis on y va. Bah, écoute, c'est parti. Par contre. Par contre quoi? Je t'envoie les diamants à travers le Nether. Non, ils vont dépop. Putain, ce mec, mais franchement. Ce mec. Il va me tuer un jour. En fait, il l'a déjà fait. Il m'a déjà tué, ce mec. Lag. Je déteste quand ça lag dans le Nether et qu'il y a... Bon, tu vois mon pseudo, gros con. Non, je suis loin encore. Je viens de sortir de la forteresse, hein. On y regarde mon pseudo. Je le vois pas. Bah regarde, lève la tête, putain. Mais je vois pas ton pseudo, je suis super loin, là. Bah tu sais quoi, j'ai tapé un pig. Tapage de pig. J'en tape un. Non, vas-y, arrête. Ça tape un, j'en tape un. Mais vas-y, arrête. C'est pas ça. Pourquoi? Mais sois sympa, enfin. Là, je fais ce que je veux, là. Là, si je veux, j'en tape un, c'est bon. Mais enfin, Geekube. Non, mais je dégole, je vais pas le faire. Mais ce mec, franchement...
Par contre, je sais plus d'où je viens. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà pourquoi je voulais sortir. Pourquoi? Parce que tu sais pas. Parce que je savais pas où d'où je venais. D'accord. Tu sais, avec les pics, ça aurait été tellement le bordel que j'aurais jamais pu rejoindre le portail. Tu sais, je me ferais courser dans tous les sens. Je saurais même plus où je suis. Ouais, attends, parce qu'on aurait perdu tout le stuff. J'ai pris ton casque. T'as pris mon casque? Quel casque? Ah, t'as mon vieux stuff en fer. Non, non, j'ai pris le mien, mais... Bah, l'enclume, ça marche. Mais je pense que si je le fais, ça... Ça crache, hein, si je les fusionne. Peut-être. C'est vrai, j'ai déjà essayé sur ma version. Et t'as craché parce que tu as fusionné, d'accord. Très bien. Ouais, alors on n'a pas tout testé encore. Enfin, moi en tout cas, je n'ai rien testé du tout. On peut carrément dire ça comme ça. Faites-moi la mise à jour, tu vois. J'ai juste posé les nouveaux blocs, tu vois. J'ai juste regardé, je me suis amusé à me foutre des zombies en armure de partout. Et ensuite, ils se sont pris la foudre dans la gueule et puis j'étais content. Et ensuite, j'ai pu rejouer à la snapshot. Avant qu'on joue ensemble pour cette série. En tout cas, niveau bouffe, c'est bon, je me suis refait. Et moi, en tout cas, niveau... Et niveau je suis perdu, je me suis refait aussi. Niveau bouffe et bois, c'est bon. Cache okay, niveau 27. Putain, mon gars, ça va être bon. Ah, mais oui. Ah, mais oui, mon gars. Il y a une île volante dans le Nether. Hein. Tout va bien, bien sûr. T'en fous, tu rush. Je rush, oui. Il y a le portail. Oui. Retour dans l'Overworld. Oh, il a amélioré la plateforme. Ouais. Il y a écrit Geekube 57. Sérieux? Salut. Vous savez. Ah oui, mon pseudo. Bon du coup bah je suis en fer. Oh merde. Mais qu'est-ce que t'as foutu? Il est con ce mec. Tu vois une flèche toi? Moi je vois oui. J'en ai pas en fait. J'en ai zéro. Bon tiens je te donne des diamants. T'as réussi à tirer avec ton arc alors que t'avais pas de flèche. Ouais. Du diamant. Pour me crafter mon épée. Du coup j'ai 3 diamants sur moi tu vois. Viens ici. Maintenant tu traftes. Il y a un putain de portail dégueulasse. Lara Croft, tu traftes. Lara Croft. Dépêche-toi Lara Croft, crafte ça. Lara Croft. Tu veux que je te crafte quoi? Une pastèque? Un pantalon en or? La blaze powder? Avec le diamant que je t'ai donné, tu me craftes une épée. Mais j'ai pas de bois. C'est des cons. Mais c'est toi qui avais tiens. Tiens. Mais tiens. Mais non mais. Tiens. Le mec il avait tout le bois. Il nous reste des saplings, j'espère. Alors, je vais faire des planches, des sticks. Et tiens, je te donne ça en plus. Et je lui fais je une du bois. Arme. Je t'ai filé du bois. Oh. Oh. Quoi? Il n'y a pas d'épée. Je te fais une hache. Il n'y a pas d'épée. Ah, elles sont toutes en bas encore. D'accord. Tu peux me l'enchanter? Tu veux que je te l'enchante? Oui, parce que franchement... J'ai pas de lapis sur moi. Je vais te l'enchanter, t'inquiète. Prendre du lapis dans le coffre. Oui. On a 60 blocs de lapis. Alors... Avec les tours derniers, une épée. Parce que ça nous sert trop à rien. Tranchant 1, tranchant 1. Je te fais le max. Hein. Alors, t'en as une... qui a Sharpness 1 et Knockback 1. Voilà. Là, voici. Par contre, on n'a pas de Fire Aspect. Hein. Sharpness 1, Knockback 1, bah, c'est ce qu'il faut. Parce que déjà, je gagne du problème avec les mobs. Ah ouais, bah les mobs, là... T'aurais des flèches. Je suis désolé d'être si gourmand, mais... Je suis désolé, mais non, j'ai tout tiré sur des blazes. Ah. J'en avais que 4, en fait. Quand je suis allé dans les airs, j'en avais que 4. Et toi, t'avais tout le reste. T'avais plein de flèches, toi. Faut vraiment que je me refasse. En tout cas, merci pour l'épée de cheat. T'as utilisé tout le diable pour les épées?
Il nous reste encore 8 diamants. Mais on le garde, je pense. Oui. Putain, bah j'ai une bonne épée. T'es sûr que c'est une fire aspect knockback? Non, non, non. Sharpness. Oui, oui, c'était écrit. La tranchant, c'est super. C'est ce qu'il faut, hein, de toute façon. Bah ouais. Faut pas chercher plus loin. Oh purée, il y a un pig. Il y a plusieurs pigs. On a des carottes. Oh putain, j'en ai. J'arrive. Ils sont où, Ils sont sur l'île. Avec une spider. Je vais la buter, la spider. Vas-y, moi je bute des... Des putains de porcs. Moi je bute la spider là. Les porcs. Il y a une poule. Connasse. C'est bon. C'est bon, je l'ai le porc. Poule. Elle est où la poule? Il y en a deux normalement. La poule. Elle est où? Ouais, ils viennent tous les deux. La poule. Elle s'en fout de moi. Faut que je rapporte des graines. Je pensais qu'avec les Netherwart ça marchait moi. Mais non, ça ne marche pas. Putain, le bébé, ramène ta gueule. Viens. Viens. Oui, on a nos cochons. Maintenant ils vont faire des trucs cochons. Ça y est, on a nos cochons. Entre mère et fille, ils vont faire des trucs cochons. Oui, bah, pour l'instant la fille il faut qu'elle grandisse. Parce qu'elle n'est pas encore préparée pour ça. Ouais. En plus c'est vrai, qu'elles grandissent. Putain mais ils sont remontés. What? Ils sont remontés? Je sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé en tout cas. Attends, je vais boucher là peut-être. What the fuck? Comment ils ont fait pour remonter? Revenez, les deux cochons, revenez par ici. Eh ben ouais, on dirait bien que les cochons sont remontés. Hein. C'est trop... Zar. Gicube dans son environnement naturel avec des cochons. C'est dégueulasse. Il y a le bébé qui est avec toi déjà, mais il y a la mère qui est en haut et le cochon il va finir mais oui, par mais je suis là, la rejoindre. Mais oui, mais la mère elle se casse dans le champ. Ah elle t'a vu. Putain, nique ah ta non. Mère. Non, nique ta mère. Dis au bébé nique ta mère. Mais regarde-moi, regarde-moi. C'est quoi ce cochon débile? Elle va suicider. La mère, elle est mais en... non, il y a le petit qui est revenu maintenant. Elle en déprime. Mais enlève ces putains de graines, ça les excite. Mais non, c'est pour les poules. Enlève ta petite graine, là, ton petit lustu cru. Bon, moi j'ai cherché la poule. Et toi, range tes lustu cru. Comment il remonte? J'en sais rien. Le bébé, il a essayé de sauter pour rejoindre sa mère et puis voilà. Il y a bien un truc à ça. Comment ils ont fait? Il y a aucune vache qui part et pourtant. Pourtant les cochons ils ont réussi. Ok. C'est bizarre. C'est bizarre. Oh putain je crois que j'ai les deux. Mais putain il y a sa cochonne de mer, elle est pas encore là. Ah connasse de poule. Elle est où ça? Oh il y en a une autre. J'ai deux poules là que je ramène. Elle est où la mère cochon? Je la vois plus. Eh bien écoute, je ne sais pas. En tout cas moi je ramène deux connasses de poulet. Ils sont encore repartis. Tu sais quoi? Tu sais quoi les cochons? Non, 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 surtout pas. On les laisse en liberté, c'est pas grave. Mais je les tue pas, mais fait. Mais oui. Regarde, ils sont là. Mais comment ils ont pu sortir? Regarde, y'a aucun trou. Regarde, même là, y a pas de trou. Au pire, il faut mettre une trappe, tu vois. Si, j'ai trouvé l'origine du truc. Bon, maintenant, venez, je crois que j'ai rebouché. Bon, les poules, elles sont connes et elles marchent sur le bord du chemin, enfin bon. Les cochons, ils ont su s'enfuir comparé aux vaches. Ouais, ils sont moins cons. Non, bouge-toi. Putain. Moi, mais... j'ai perdu une de mes poules. Mais venez, mais c'est pas vrai, mais venez. Moi, je ramène déjà les poules. Les poules, venez. Bon, t'as les cochons? Oui, c'est bon. Ah, moi, il y a les poules qui viennent, là. Bon les poules, je suis là. Connasse. Descendez. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est revenu du Nether et tout. On est victorieux.
On se tape une île. On se tape une île. T'as du level. Tout de suite. T'as du level. Du level. Oui. Ouais, je crois. Alors, 24. Il me reste 24 niveaux. Je vais juste reproduire nos poules. Hein. Parce que fuck. N'est-ce pas? Oui, enfin. Bah, ah, il y en a une là. Mais l'autre poule, elle est conne. Bah voilà. Il y a un petit poussin. On va l'appeler mon petit poney. Et Pouna. Non, on va l'appeler mon petit poney. On va l'appeler Epona. Mon petit poney. Epona. Bon, ok, on s'en fout en fait. Parce que c'est le nom de la putain de connasse dans Zelda. Les vaches elles sont connes putain. Mais tu sais que depuis tout à l'heure il y a mon stuff qui est là-bas près de la table de craft. Hein. Là je suis no stuff. T'en t'es droppé tout? Oui j'ai tout droppé. Pourquoi? Parce que j'aimerais que tu me les enchantes, t'as 24 bouts. Bah les drop pas, j'en sais rien moi. Mais allez quoi, il va... Mais je vais les enchanter, mais évite de les dropper quand même. Mais c'est quoi cette conne de poule qui passe devant quoi? Tu les prennes. Mais j'arrive. Je viens t'enchanter tout ça. Il est où ce stuff? Ah, le voilà. Merci. Alors, je vais prendre genre un peu de lapis. Mais passe pas devant. Putain, connard. Mais je clique sur la table de craft. Il m'a donné deux coups. J'allais sur la table d'enchant et toi tu passes devant. C'est pas grave. Voilà. Oh, j'ai pas mon armure alors c'est pas grave. Alors, protection. T'as de la chance, t'as protection sur le casque. Sur les bottes. Feather Falling ou protection 1? La protection. D'accord. Ensuite. Oh, protection 2 sur le pantalon. Oh putain. Ensuite. Ensuite, il n'y a que de la merde pour ton plastron. T'as pas une épée enchantée, j'en sais rien moi. Non. Pas d'arc à enchanter, pas de pioche. Si, j'ai pas de flèche. J'ai une pioche. D'accord. Ouais, je les récupère. Ok, ben y a que de l'efficiency, alors boum, voilà, efficiency. Et ton plastron, c'est un gros troll, je te mets projectile protection 2. Yeah, ça va, c'est bien. Tiens, je te drop ça. Ça, en fait je vais tout foutre dans un coffre. C'est plus rapide. Il n'y avait que deux trucs quoi. Oui, mais j'ai la flemme, c'est plus rapide. Voilà. Moi je vais m'enchanter un briquet en Fire Aspect. T'es sérieux? Non. J'ai besoin de bouffe moi aussi. Et moi j'ai tout dépensé dans le Nether. En fait t'as tout chopé. Moi j'ai rien eu. Sérieux? Ouais. Viens dans le coffre. Tu fais quoi dans le coffre? Enfin, moi encore j'ai ouais. Plein de bouffe mais bon. Voilà ce que j'ai mis dans le coffre. Un troll. Même pas. Bon alors non, on a de l'eau. Ah ouais, bah je l'ai même pas senti. Normal t'as son grand diamant. Cool. J'ai une armure badass. Tu as plus de vie mec. Ouais elle a plus de vie c'est vrai. Je vais me remettre mon vieux stuff en fer. Bah tu l'avais pas récupéré le stuff en fer, j'ai droppé dans le nether. Quoi? Mais non je déconne. Mais il est là, je l'avais vu dans le coffre, alors je me suis dit quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il était dans le coffre il y a deux secondes. C'est ça que je me disais. Et tu veux savoir la grande nouvelle? Quoi? Il n'y a pas une table de craft quelque part? Ah si, si. Si, il y en a partout. Il y en a partout, j'aime bien ça.
Ou bien sale comme ça. Eh bien la grande nouvelle, c'est que je me sneak. Ok. T'as du sable. Ah bon. Bah si tu regardes sur le four, tu comprendras pourquoi. Ah ouais putain. Un alambic. Ça c'est bien là. Du sable, y a pas une île avec du sable? Si si. Bah voilà bah. On fait quoi ensuite comme prochaine île? Toi t'étais chaud pour refaire l'île de la glace. Mais je sais que on trouvera peut-être du sable dans la Mesa et sinon sur l'île du sable. Au pire on ira dans le Nether. Enfin l'île du Nether. En fait on est loin d'avoir fini la série quoi. Netherland et tout. Putain. On est loin d'avoir fini. Bon viens on va se coucher. C'est le bordel. Regarde comment je suis. Et pourtant je gère comme ça. Imagine on ferait un... On ferait une série, on reste autant comme ça. Mais quoi? Bah tu peux pas voir là, là sur mon écran. Tu veux? Un seul pencil view. Le truc bien shit. YOLO! J'aime PVP en 5 personnes. Non. Yaaah. Pourquoi des enclumes en dessous de mon lit? C'est pas un peu meurtrier ça. Désolé. On s'en fout en fait. Pourquoi il y a plus d'enclumes sur mon lit en fait? Dors. Ah si, elles y sont toujours. Dors. Oh putain, c'est épique. Il a une enclume sur la gueule. C'est de la chirurgie esthétique. T'es pas au courant? Oh putain, epicness over 9000 quoi. Je dors avec une enclume dans la gueule, je vois l'intérieur de l'enclume. Oh putain. Merde, tu es mort. Je dis quoi. Encore une fois, les gars. Oh, regarde où j'ai respawn tellement c'est bugué maintenant. Je viens de respawn de dormir, tu vois. Je respawn ici. Ouais. Parce que le jeu, il s'est dit rien à foutre. Rien à foutre. T'as pas un autre blé? T'as pas un autre blé? Du blé? Pourquoi tu me demandes ça? Je reviens du Nether. Parce que j'en ai un. Bah oh, fuck, je mets ça dans le... Non mais il y a une houe dans le coffre. Fuck, je mets ça dans le coffre. Hop. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'en va pour une nouvelle île? On la a des blocs Island. Ah bah j'en ai un peu des blocs. Tiens, je te passe des blocs. Ah ouais putain mais... T'es où? Je suis déjà sur le pont. Bah ben, viens chercher les blocs. Putain mais monte. Moi je dépose encore des trucs dans le coffre avant de partir, tu vois. N'est-ce pas, monseigneur? C'est sérieux. Putain, 34 broches du laser, ça fait plaisir. Bon, bah moi je t'attends. Ok. Je suis là, je suis prêt. Alors, mon briquet, là je le fous dans le coffre, hein, évidemment. Bon ça, on fout dans le coffre. Blaze rod, bah oui. Poudre d'os. On a plein d'os en fait. Si on a besoin de blé. Tu me demandais si on avait du blé, mais... On a plein d'os. C'est si shit. Et moi je crois que... Pourquoi est-ce que j'ai autant de pastèques? Je sais pas. Tu sais que j'ai trouvé des pastèques dans le Nether. Si t'as besoin de pastèques, tu peux venir. J'avais trouvé des pastèques dans le Nether, elles devaient pas être très fraîches. J'aime bien les pastèques pas fraîches. Non mais le mec, tu vois, il est en position de tir avec son arc et tout, il se balade comme ça, il pète des blocs comme ça. C'est n'importe quoi. Il est en train de tirer dans un coffre, quoi. J'ai pris le briquet. Le mec, il se balade avec son arc. Il relâche, mais il me bute, quoi. Je suis un arc, je suis un arc. Pardon. La flèche. Aïe, aïe. Flame 3, motherfucker. Non, on arrête, on arrête. Mais oui, stop quoi, à la fin.
Stop. Regarde, attention au dragon. Je vais te tirer dessus. Putain, on dirait un putain, de sniper qui coulole. Et j'ai zéro flèche pourtant. C'est trop marrant. Regarde, regarde-moi. On dirait un putain de sniper qui coulole qui se balade. Regarde-moi. Oh, il a tremblé. Il a tremblé quand il a pété la pastèque. C'est déjà un bon début. Hein. C'est un bon début qui tremble quand il pète une pastèque. T'as tout pris. GG. Enfin bon. On part sur l'île de glace. Hein. Oui. Islande. Le nom est pas du tout recherché. Island, Iceland. Le nom est tout à fait recherché, bien j'ai entendu. J'ai une flèche. Ah oui, moi aussi. Il y a un creeper. C'est que là, je te vise pas du tout. J'ai zéro flèche. Bon, en tout cas, je suis très content d'avoir... J'ai bugué. T'as bugué. Je redémarre Minecraft. Il redémarre Minecraft. En gros, tu vois, j'étais en train d'avancer, et puis là, d'un coup, ça a freeze, et ensuite, je me suis avancé vers la gauche tout seul. Bon, bah, je vais devoir refaire mon save, encore une fois. Bien entendu. Lag. Ah, ça y est, il est déjà fait. T'as fait laguer quand je fightais contre un creeper. GG. Quand j'ai trouvé de l'or, tu vois. Vas-y, viens. Attends, j'ai trouvé du minerai, là. Iceland Beach. Bah, c'est quoi je construis pendant ce temps? Alors, voyons voir. De toute façon, on fait tous les deux quelque chose. Option. Swap, jump, and sneak. Voilà, c'est bon. Ah, je moi, peux c'est tourner. C'est bizarre. Enfin, oui. C'est bizarre parce que toi, t'as tout qui s'est déréglé et pas moi. Pour une fois. Ok, il y a un squelette en feu, là, qui essaye de me tirer dessus. Enfoiré, va. Bah écoute, je vais buter jusqu'à... Si tu veux, fais-le. Car tu peux. Putain. Ça fait pas mal de verbes en une seule phrase, tout ça. Hein. What? Mais j'étais en sneak, arrête! J'étais en sneak, putain. Chaud. Tu sais, si je recorderais, mec, je t'aurais montré, j'étais en sneak. Ben, en fait, je crois que je les recorde. Si je recorderais, je veux dire. Oui, mais je crois que je les recorde. Ta chute. T'avais pas sauté par hasard? Ok, j'ai plus de batterie du tout, là. J'ai 5% de batterie, mec. M'en fous. Vas-y. Je ramasserai pas ton stuff, de toute façon, il est trop bas. Et ouais, c'est merci de me libérer la prise de courant. C'est vraiment chop la prise. Ok, d'accord. Il y a carrément 2% restant là. Le mec il se noie là. Super. Alors, j'étais en train de prendre mon chargeur. Il a réussi à se noyer dans une map dans le ciel quoi. Mais j'étais en train de prendre mon chargeur. Je jouais même pas. Je jouais même pas, bordel. Ce mec. Mais je jouais même sacrément pas, gros doué. Je sais, mais bon. Putain. Putain, je voulais build. Tu voulais build de pont. Ouais, mais tu t'es fail. Dommage. Je comprends pas, mais... Tu sais que le sneak, même sur PC, ça bug, hein. Ça bug même plus quand tu poses des dalles et tout, ça te fait tomber. Bon, l'île des champignons, elle est où? Ben, tu devrais la repérer depuis la base. Ah, c'est bon, je vois où t'es. Tu me vois? Je vais voir si je vois... Oh putain, il y a un petit Batman en pyjama en bas. Et il y a son stuff en dessous. Ah, il récupère le stuff. Bah oui, t'as... T'as un zombard en feu qui se balade derrière toi. Hein. Il vient vers ton stuff. Il veut te le voler. Tu veux voler mon stuff? Connard. Moi j'ai one shot. T'as vu, t'as filmé? Oui, j'ai filmé, mais c'était une fourmi qui a tué une autre fourmi en fait. Que j'ai vu. C'est une fourmi noire et rouge contre une fourmi verte et orange en fait. Enfin bon, c'est pas le sujet. Pas du de tout. La vidéo. Pas du tout. Le sujet c'est foutre le bordel.
Mais on fera ça dans le prochain épisode. Le truc de dépliement. Il y a des putains d'araignées sur l'île. What? C'est quoi le... Quoi? Pourquoi il y a ça en bois là? Ça c'est Iceland là, ça. C'est ça. Non, c'est l'île champignon là que tu es en train de... Il y a une construction en bois. C'était moi quand j'avais... C'est bizarre. Allez, salut. Salut. Et qu'est-ce que tu fous? Et je sais même pas quoi faire. Bon, allez, salut hein. Au revoir.